Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo action. Oui, je sais, je ne peux pas m'empêcher d'y aller, j'adore trop ce magasin. Et je pense que vous aussi aimez beaucoup les hauls action. Donc, la première chose que je vais vous dire, on va choisir ensemble le mot du jour. Si tu ne connais pas cette chaîne, sache qu'avec le mot du jour, si tu n'as strictement rien à me dire, tu peux juste m'inscrire le mot en commentaire et moi je te réponds par un joli cœur pour te dire que je t'aime de trop. Donc, le mot du jour, ce sera idée, parce que oui, tu me mets ton idée, enfin ton mot idée, et tu me mets ensuite l'idée de mot du jour pour les prochaines vidéos. Donc oui, c'est vrai que je dis toujours les mots au hasard, mais là j'ai envie de faire une liste avec tous vos mots à vous et d'à chaque fois que je fais une vidéo, vous dire voilà, c'est telle personne qui m'a donné l'idée de la du mot du jour en gros quoi. Donc j'espère vraiment que cette petite nouveauté sur la chaîne vous plaira. Donc n'hésitez pas dès à présent à me donner vos idées de mots. Voilà, tout simplement. Et on va commencer tout de suite le haul, puisque c'est ça qui vous intéresse à la base. Donc la première chose que j'ai à vous présenter, c'est ce magnifique rangement, étagère, voilà, d'imprimeur. Voilà, ça s'appelle une étagère d'imprimeur. Parce qu'à l'époque, on les utilisait chez les imprimeurs pour mettre toutes les encres différentes, tous les tampons différents. Donc ce casier d'imprimeur m'a coûté 9,95 €. Mais je vais poursuivre avec bien d'autres choses que cette petite chose qui, à la base, j'en ai déjà pris un. Il y a des petits accros de peinture, mais vu que je vais réemménager dans un nouvel appartement, certainement au mois de mars, mais c'est sans trop de conviction que je vous dis ça, puisque je n'ai pas encore eu de nouveautés là-dessus, donc je vous en parlerai beaucoup plus tard, je pense. Donc voilà, on repeindra le tout avec la déco et tout, on se débrouillera comme on pourra, mais on repeindra ça. Pour les accrocher au mur, on fera les retouches qui s'imposent. Ensuite, j'ai pris... Eh oui, je suis faible. Ça, c'est une tuerie. C'est des mini Oreos avec... en fait, c'est un mélange gourmand avec des dragées remplies de lait, remplies de chocolat. Voilà, vous avez des dragées en gros. Des mini Oreos et des petites galettes de caramel. Donc ça, c'est un petit plaisir que j'ai pris en triple. Voilà. Et ça coûte 1,75 € l'unité. Donc, petit plaisir, mais tout petit. Hein, voilà, c'est... Mais je suis sûre que toi aussi, chez toi, t'aimes bien un truc chez Action à manger et que tu le manges devant la télé et que tu nous dis pas à nous, hein? Parce que c'est bien gentil de se moquer des autres, mais toi aussi, tu vas voir. Hein? Moi, si je viens chez toi, je sais que je trouverai quelque chose. Hein? Un truc juste pour balancer. Ensuite, j'ai pris... Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. J'ai pris deux petites choses, en fait, pour le soin, boutons, etc. Donc ça, c'est pour les boutons. Il y en a 36 à l'intérieur. Ça m'a coûté 98 centimes. Donc c'est à appliquer sur Monsieur Pabo qui a là, hein, pour le faire disparaître. Voilà, disparaître. Et on a aussi celui-ci qui est... comment ça s'appelle en français? Charcoal. Comment dis-tu en français? Charcoal. Oh, c'est au charbon, voilà, tout simplement. Je pète les plombs, les filles, je pète les plombs, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est pour désincruster les points noirs. Sachez que c'est un soin à éviter très régulièrement, puisque ça vous élargit les pores de la peau au niveau du nez, et du coup, ça laisse des cicatrices, indélébiles, que vous ne pourrez pas récupérer, même avec tous les silicones que vous voulez. Notamment, tout ce que j'ai là, voilà, c'est des boutons, etc. J'ai vu une revue d'une américaine qui avait utilisé ça pendant son enfance très très souvent et qui maintenant en pleure tellement elle a des trous dans le nez, c'est une horreur. Donc moi, je peux pas être plus ravagée que je ne le suis déjà, donc j'ai envie de tester quand même pour voir si au niveau des points noirs, ça peut faire effet. Sachez que pour une meilleure utilisation et pour éviter justement ce pores dilatés, vaut mieux prendre un bain d'eau chaude. Un bain d'eau chaude, attention, petite explication. Avec une serviette au-dessus d'une cuvette d'eau bouillante pour ouvrir les pores, libérer en fait le sébum et ensuite venir l'arracher avec ces petites choses-là quand le porc est mûr à récolter, quoi, tu vois. Donc voilà, et ça m'a coûté 99 centimes. Donc autant te dire que c'est pas non plus excessif, seulement faire bien attention à l'utilisation qu'on en a. Je poursuis avec ça.
Eh oui, parce qu'il y en avait. Donc moi, j'ai fait le stock. Alors, c'est les masques en tissu que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé celui au vin. Voilà. Ah, il pue pas la vinasse, hein. Je te rassure déjà. Non, il sent bon le yaourt. Donc, c'est très agréable. Et donc là, c'est anti-âge et au rétinol. Voilà, avec des extraits de vin. Mais bon, on s'en fiche. C'est une... J'en ai acheté... En tout, 17 à 59 centimes l'unité. Donc, j'en ai pris forcément au vin, celui que j'avais aimé. Il y en a, celui-ci, c'est à l'huile d'amande et à la vitamine E. Donc, c'est celui-ci. Il y en a à l'avocat et au collagène, aux extraits de collagène. Il y en a à la groseille et aux extraits de yaourt. Il y en a, bah oui, parce que pour le coup, il y en a quoi. De la grenade et de l'acide hyaluronique. Je crois que j'en ai pris une grosse partie dans le rayon. J'ai dû en laisser deux ou trois, tu vois. Genre, pour psychologiquement me dire que j'en avais laissé aussi pour les autres, tu vois. Mais en fait, j'ai pas eu de pitié, tu vois, à vider le rayon, quoi. Même la caissière, elle me dit, mais madame, j'ai pris les mêmes. Vous avez, en fait, vous avez pris ce qui restait. Et je lui dis, oui. Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, hein. Moi, j'ai fait pareil, hein. J'en ai pris aussi. Donc, du coup, voilà quoi. Mais elle est obligée d'en laisser pour les clients. Tu vois le truc. Donc, celui-ci, c'est à la rose sauvage et à la vitamine C. Voilà. Donc, en gros, j'en ai pris 17. Ça, si vous voulez mon avis, c'est très bien pour tout ce qui est hydratation, etc. Ce qui est pratique, c'est qu'on pose le masque, on laisse agir, on s'en occupe pas, on regarde la télé et... Le soir, on va se coucher tranquillement sans rincer. Moi, j'utilise sans rincer parce que ça hydrate pas mal. Le truc qu'on m'a demandé si les autres... Alors, les autres, masques qu'il y a chez Action, je n'ai pas aimé. Les peel-off et tout, non. J'ai pas... Et surtout celui là qu'on doit faire chauffer avant de se le poser. Là. Les odeurs sont chimiques, je n'ai pas aimé. Mais alors, ceux-là, je vous le conseille. Moi, c'est un usage que j'ai, on va dire, hebdomadaire. Je pense que c'est toujours mieux de s'appliquer quelque chose sur le visage que de ne rien faire du tout. Voilà. Donc, si vous me demandez l'effet instant T, il n'y en a pas énormément, mis à part l'hydratation, parce que c'est toujours bien d'hydrater sa peau avec des produits. Après, c'est vrai que c'est mieux de faire quelque chose que d'attendre que les rides s'installent et que la peau soit toute flétrie. Voilà. Donc, si vous voulez mon avis, dès que vous avez ces petites choses-là à proximité, foncez dessus. Ouais, en gros, j'en ai eu pour 10 euros de masque. Alors qu'à l'habitude, vous prenez ceux de chez Sephora, c'est 2 euros pièce déjà. Donc bon, il y en a 17 quand même. Hein. Je passe à cette petite chose qui sont les simili de EOS que je vous avais déjà présenté dans un précédent haul. Puisque je les aime bien, je les ai rachetés. Ils sont uniquement à 95 centimes. Donc ça vous permet d'en avoir dans toutes les poches de vos manteaux. Voilà, et vraiment, ils sont plutôt pas mal. Une fois vide, vous pouvez refaire des baumes avec, soit teintés, soit non teintés, avec des ingrédients naturels. Donc, je valide. Ensuite, je me suis repris un bloc-notes avant de savoir qu'il y en avait un dans la Que J'adore box. Voilà, donc il est tout pailleté, il est tout mignon, il est comme ça, il a coûté 99 centimes. Donc vous savez que je note tout, j'ai toujours plein de carnets qui traînent partout. Je note toujours tout ce que j'ai à faire, tout ce qu'on me doit. Voilà, tout ce qu'on me doit, tout ce que je dois aux gens. Voilà, tout ça, les adresses, les téléphones, tout, je note tout. Du coup, ben comme ça, ben je tombe pas en rade. Et en plus, il était joli. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose, mais ne vous affolez pas, ne vous alarmez pas. Non, 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 il ne se passe rien. Hein. C'est pas parce que j'ai acheté ça que tout de suite, il faut en déduire des choses. Donc, c'est ça. Voilà, c'est des tests de grossesse. Donc, j'en ai pris 2 boîtes. Le test de grossesse, il était à 1,69 la boîte. Donc, pourquoi? Alors, tout simplement parce que, pour celles qui ne le savent pas, j'ai eu un enfant, donc j'ai un stérilet. Sauf que, régulièrement, quand vous savez que les stérilets, on n'a pas forcément ces règles, parce qu'ils sont à hormones. Donc, quelquefois, quand je suis malade, que j'ai des hauts de cœur, etc., pour vérifier
Voilà. Parce que, en fait, je suis quelqu'un de hyper. Voilà, je suis hyper contrôle tout, tu vois. Et donc, ça aussi, j'aimerais le contrôler et pas arriver. Alors, si j'en avais un tout de suite, que je sois enceinte tout de suite maintenant, ça ne me dérangerait pas. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est pas dans le but de contrôler pour pas en avoir. Non. C'est dans le but de contrôler pour prendre les choses en main dès lors qu'il s'avère qu'on est enceinte. Voilà. Donc, sachez pour les jeunes filles qui veulent vérifier qu'elles sont enceintes, que ça existe chez Action à pas cher, mais dans toutes les autres grandes surfaces à 1 euro aussi, je crois. Faites bien attention, les filles. Vous avez 3 mois normalement, si je ne me trompe pas, pour si toutefois, voilà, c'est un accident, prendre les choses en main ou vérifier. Voilà, c'est des moyens de vérification. Alors, moi, je ne suis pas pro. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut avorter. Au contraire, moi, je suis pro. Je suis contre. Pas, non, je suis pas contre. Alors attends, parce que là, je touche à un sujet qui est compliqué. Je ne suis pas pour l'avortement quand on peut matériellement, quand la femme, elle doute. Par exemple, si ça va pas avec le papa de l'enfant, sachez quand même qu'un enfant, vous l'avez toute votre vie, il faut bien réfléchir. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas forcément de papa qu'on va être malheureuse avec son enfant. C'est dans ce sens-là, si on a les moyens financiers, matériels, d'accueillir un enfant, même si ça ne va pas forcément avec le papa. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples de mamans célibataires qui s'en occupent toutes seules, qui sont épanouies et magnifiques et qui ne regretteraient jamais la situation, finalement. Donc voilà, prendre en compte tout ça, c'est dans ce sens-là que je dis que je suis pas pour l'avortement si possible. Après, pour d'autres cas, bien entendu que l'avortement, je suis pour. Dire quand t'as une gamine de 11 ans qui se fait violer, qui tombe enceinte, elle sait pas quoi faire, bien entendu. Heureusement qu'il y a les plannings familiales, les filles. Mais bon, ça, pour moi, personnellement, c'est un moyen de savoir, dans les plus brefs délais, s'il y a eu conception, pour pouvoir mettre en place les rendez-vous gynécologiques, les vitamines de grossesse, tout ça, pour que mon bébé, parce que vous savez que voilà, Hugo, je l'ai voulu tellement que j'en avais plein de ces petites choses-là pour vérifier, oh ben mince, ce mois-ci, je suis pas enceinte. Et j'en ai fait combien des trucs comme ça? Donc voilà, c'est aussi dans le cas de se dire, si j'enlève le stérilet un jour, de me dire que je les ai quand même à la maison, au cas où ça prenne rapidement, moins rapidement, bon bref, voilà, c'est des trucs qui servent. Ouf! Mais après tout ça, je me suis bien embourbée dans les explications, hein, vous en avez eu bien marre. Eh bien, on va se détendre avec deux nouveautés. Maquillage! Oui, parce que je vous ai déjà présenté les autres nouveautés que j'ai trouvées de Max & More. Mais là, du coup, ces deux petites palettes plates comme ceci. Bon, elles ne payent pas de mine, mais elles sont très, très bien pigmentées, on va dire. Et elle coûte, si je ne me trompe pas, 1,98 €. Donc pour 2 euros, on a quand même. Attendez que je l'ouvre, hein, parce que du coup, on a quand même un large choix de couleurs. Voilà. Et on peut récupérer en retirant le plastique la palette. Voilà. Pour recoller d'autres palettes. Pardon, d'autres godets que vous pourriez avoir à mettre à la place. Donc là, je suis en train de vous faire des swatchs des couleurs. Et en général, donc j'ai bien appuyé hein, pour que celui-là, il ne m'en reste pas trop sur les doigts. Mais vous voyez un petit peu la pigmentation. Hein. Donc là, c'est avec des tons un peu colorés. Alors chaque tierce, enfin chaque trio en fait, correspond à un look normalement. Donc dans les tons bleus, dans les tons violets, dans les tons roses. Un peu orangé, noir, enfin smoky, ton marron, verdâtre, et puis là un peu plus vert émeraude et bleu, etc. Donc ça, c'est pour la palette, on va dire, de coloré. C'est la 1, la color palette. Et on a la deuxième qui, elle, est la 2, la nude palette, qui se présente comme ceci. Donc là, pour le coup, on va tester. Il y a des mats et il y a des irisés. En fonction de ce que vous voudrez exécuter comme make-up, voilà ce que ça donne. Et ici, au niveau de la pigmentation, on est quand même aussi sur quelque chose de bien pigmenté.
Donc je pense pas que vous perdrez grand chose. Avec 2 euros, on peut avoir cette jolie palette. Alors j'ai vraiment de la chance parce que c'était dans la promo de la semaine. Du coup, dans mon action, je suis allée voilà, pour être bien sûre de les avoir. Mais à la base, j'y allais pas pour ça, j'y allais pour le test de grossesse. Parce que vu que j'ai vomi, j'ai été malade dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, dans la nuit de lundi à mardi. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu manger de différent par rapport à d'habitude et je suis jamais malade. Donc voilà, en gros, c'est pour ça que je voulais absolument tester, voir. Donc je ferai le test certainement demain matin. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire chez Action. Je pense que je fais pas mal de vidéos. Vous savez maintenant que je suis fan. Il y a d'ailleurs un tag que j'ai créé, le tag Action. Donc si vous voulez le voir, je vous mets une petite fiche ici. Et toutes les youtubeuses, vous êtes conviées à reproduire ce tag. Bien entendu, n'hésitez pas à me mentionner hein, quand même que je puisse aller le voir et à venir me le dire et me mettre les liens et tout ça et tout ça. Donc pour le coup, la seule chose qui me reste à vous dire, c'est de vérifier que vous êtes abonné, puisque YouTube vous désabonne, mais vous le savez encore, je le répète toujours maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas vous abonner, me mettre un pouce en l'air, voilà, et à toutes vos youtubeuses préférées pour toutes leurs nouvelles vidéos, voilà. Mettre un pouce en l'air, comme ça, pour dire que tu as kiffé la vidéo. Surtout, aussi, de mettre la cloche, là, mais je l'aime pas cette cloche, mais on est obligé, quoi. Puis n'oubliez pas, donc du coup, le mot du jour, je sais plus si... J'ai dit quoi? Idée? Oui, c'est ça. Idée pour que vous me mettiez toutes vos idées de vidéos et de... Non. Idée de vidéos. Non. J'ai dit idée de mots pour les vidéos. Voilà. J'avais oublié un petit bout entre les deux. Donc, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime d'amour. Ciao, ciao.